Ouais, que je peux rester toute la journée comme ça, cligner des yeux. Oui, bonjour, c'est moi. Oui, comment allez-vous aujourd'hui? Oh, ça va très bien, j'ai juste le cil qui me gêne. Il est où? Il est tombé dans ma claquette? Salut, salut! Alors aujourd'hui, je reviens avec une petite vidéo qui m'a été beaucoup, beaucoup, beaucoup demandée. Alors en fait, il m'a beaucoup été demandé d'essayer les, vous savez, les cils magnétiques. Les cils magnétiques. Donc moi, je ne les avais pas. Donc honnêtement, je ne les avais pas. Et quand je suis allée sur... non, c'était Evency. Oui, quand je suis allée sur Evency, ben, j'ai vu que la marque proposait d'offrir aux influenceurs les faux cils magnétiques. Donc je me suis dit, vu que cette vidéo m'a été beaucoup demandée... Attendez, j'ai l'impression que la caméra, elle est... Voilà. Vu que cette vidéo elle m'a été beaucoup beaucoup demandée, je me suis dit ben, il va falloir que je les prenne, je demande à la marque de me les envoyer pour pouvoir leur faire la petite vidéo et faire le petit test en même temps en vidéo parce que je ne les ai pas du tout essayés. J'avais déjà essayé des faux cils magnétiques que j'avais achetés, je crois, sur AliExpress ou je ne sais plus sur quel site. J'avais déjà fait la vidéo d'ailleurs et ça avait plutôt bien marché. Donc là, j'ai carrément reçu alors des cils magnétiques, mais de deux sortes différentes. Donc j'ai reçu, alors celui-là, j'avais hâte de le tester. Déjà j'ai reçu l'eyeliner magnétique, je vais vous expliquer ce que c'est tout à l'heure. Et j'ai reçu les petits cils magnétiques, voilà, que vous voyez partout à la, sur les réseaux sociaux, tout le monde en parle. Donc voilà, moi je voulais vraiment vous faire mon propre avis. Parce qu'après c'est vrai que souvent, moi je suis comme vous, je ne fais pas trop confiance aux gens. Donc j'ai pas essayé, je ne fais pas du tout confiance aux gens. J'aime bien me faire mon propre petit avis. Après vous n'êtes pas obligé de me faire confiance non plus, hein. Mais là je vais vous le faire en direct. Après moi j'aime bien me faire mon propre petit avis. Parce que souvent quand on regarde les vidéos des gens qui font les tests comme ça, c'est pas en direct et c'est carrément avec des vidéos coupées où tu vois pas du tout la pose. Tu les vois juste faire ça et après tu les vois, tu dis, oh, c'est magnifique et tout. Non, non, non. Moi, je n'y crois pas. Donc là, pour commencer, on va d'abord essayer, on va pas parler 30 ans, hein, on va d'abord essayer de tester ceux-là. Donc en fait, ceux-là, ils sont, il y a tout simplement les deux bandes du haut, et ça, c'est les petites, c'est les petits paquets à mettre juste en dessous pour essayer de faire tenir, ben, le fossile. Donc, je vais avancer la caméra plus près de moi. En plus, j'ai pas pris la bonne caméra. Donc, je vais avoir la tête allongée comme as. Donc, on va commencer. J'ai pas mis de mascara sur mes cils. J'ai rien mis du tout. Donc, c'est parti. Allez. Donc, on va prendre déjà. Alors, soi-disant, il faut prendre la petite bande de faux cils comme ceci et la poser par-dessus. Je vais avancer le miroir un petit peu quand même maintenant. Par-dessus sa bande. Alors moi, il faut savoir que quand j'ai des faux cils, ils sont toujours trop longs. Je pense que j'ai les yeux trop petits. Voilà. Je vais éviter de parler. Mais j'ai souvent les yeux trop petits. Donc à chaque fois que moi j'achète des faux cils, ils sont souvent trop longs et je les coupe. Sauf que là, je ne pourrais pas les couper parce que comme vous voyez, il y a les petits aimants au bout des extrémités. Donc comme ça, c'est réglé. Par contre, il y a un petit bout qui dépasse là qui me dérange. Donc, je ne sais pas si je le coupe ce que ça va faire. Attendez, je vais le couper. Hop. Attendez. Attendez que je coupe pas le cil entier quand même. Allez, on y go. Non, attendez. Je vais faire l'autre cil. Parce que je suis quand même droitière, donc je vais faire le cil droit. Attendez, là aussi, il y a des petits trucs qui me dérangent un petit peu quand même, non? Attendez, attendez. Hop. Attendez. J'ai failli couper le cil. En deux, nom de Zeus. C'est ça de jouer avec des ciseaux. Jamais jouer avec des ciseaux, ma maman me disait. Alors, je vais poser la petite bande comme ceci. Et je vais attraper ma petite touffe et essayer de la coller en dessous. Je crois bien qu'il faut prendre la pince. Attendez, j'ai vu une. Il y a une petite pince par là. Je ne sais même pas bouger la bouche parce que j'ai peur que l'œil il fasse la mal aussi. Non, non, j'arriverai pas avec la pince, c'est pas possible. Ah non. Ah non, mais ça va pas du tout. Ah non, mais ça va pas du tout là. Ça va pas du tout. Je refais.
Je pose le fossile sur mes cils à moi. Je prends la petite touffe. Franchement, ils étaient plus simples les autres que j'avais, je vous le dis moi. On va essayer de le tenir avec l'ongle. Lever un peu. Accrocher. Il est où? Oh non, attendez. Ah non, mais c'est une galère de faire ça tous les matins. Ah non, mais c'est une galère de faire ça tous les matins, petit peu quand même, non? Oh là 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 là, c'est pas possible. En plus, j'ai Tissane qui arrête pas de m'envoyer des messages. Qu'est-ce qu'elle veut? Ça doit être urgent, je vous le dis, moi. Parce que pourquoi elle m'envoie 50 messages? On refait. Bon. Là, je pense que j'ai collé le premier cil. On va pas trop bouger et on va coller la fin du cil. Normalement, il y a trois aimants. Alors, je sais pas du tout s'il faut... Ah, oh, mais non, en fait, c'est pas du tout. Ça va pas accrocher. Ah non, mais ça, c'est une grosse galère. Alors, par contre, il va falloir m'expliquer comment vous faites, les filles de la télé-réalité et tout ça, là. Parce que je vois qu'en 2 secondes, vous avez mis le cil. À moins que vous êtes entraîné 30 ans juste avant. Franchement, je sais pas. Attendez, je vais essayer de le mettre par l'extérieur. Je vais essayer de mettre d'abord l'extérieur et après l'intérieur. Ah! J'ai mis l'extérieur. Alors, je dis ça, mais tout à l'heure aussi, j'ai dit pareil, mais finalement, j'avais rien mis du tout. Et l'intérieur? Non. Toujours pas. Mais c'est que ça me ferait éternuer, cette petite chose-là. Alors là, quand on n'arrive pas à mettre l'intérieur, on fait comment? On va décoller l'extérieur, quoi. Non, j'ai mis l'extérieur. Ah non, mais c'est... Non, mais je vous dis franchement, c'est une galère. Ah là là! J'ai perdu le cil! Il est où? Il est où? Il est où? Il est tombé dans ma claquette? Il est où? Ah, il était tombé dans mon chausson! Attendez, je le ramasse. Non, mais je suis toujours avec le cil, hein. Pour l'instant, l'extrémité, il tient. Et par contre, je sais pas comment je vais arriver à mettre le cil inférieur, là. Attendez. On va le tenir avec l'ongle. Ah. Génial. Bon, ben là, je crois que j'ai mis, attendez. Parce que pour plus de sécurité, je pense que je vais mettre le cil du milieu. Ouah, ça y est, j'ai réussi! Oh, mais ça me gêne, hein. Non, mais j'ai l'impression que ça tiendra pas. Vous croyez que je peux rester toute la journée comme ça, cligner des yeux? Oui, bonjour, c'est moi. Oui, comment allez-vous aujourd'hui? Oui, ça va très bien, j'ai juste le cil qui me gêne. Attendez, je vais regarder ça de plus près. Qu'est-ce que ça donne? Ouais, ben, en fait, franchement, de plus près, regardez. J'ai pas pu le mettre un petit peu plus près. Je vais essayer de mettre l'autre œil, hein. On va essayer, voir si je pourrais sortir avec les deux yeux comme ça ou pas. Alors, je vous fais comme tout à l'heure. Je commence par l'extérieur. Après, je dis pas, hein, peut-être qu'avec un peu d'entraînement, ça le fait. Hein. Et il faut vraiment beaucoup d'entraînement, quoi. Hein. Ah, celui-là, j'ai réussi à le mettre un peu mieux. L'extérieur, maintenant. L'intérieur, en fait, le plus dur, je crois que c'est l'intérieur. Ah, peut-être qu'en tenant le cil comme ça. Non, même pas. Parce qu'en fait, l'aimant, il s'est avancé un peu trop. Après, c'est dommage parce que qu'est-ce que c'est joli, les cils, les faux cils comme ça. Donc, je vais essayer d'écraser mon œil comme ceci. Et, ben non, pas du tout non plus encore. Oh là 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 là. Oh là là là. Ah non, mais là, je perds pas 10 minutes de mon temps. Je peux pas. Là, ça va me faire perdre une demi-heure de mon temps pour mettre des cils. Alors qu'un petit coup de mascara, 5 minutes, même pas, hein, une minute, c'est mis, quoi. Je refais. Vous savez quoi, je vous en reparlerai. Là, c'est bon. Je vous en reparle. Mais en fait, comme vous pouvez le voir, j'ai les cils trop, j'ai les yeux trop petits, moi. Regardez, là, je l'ai à là, c'est le maximum. Et là, c'est le maximum. Mais du coup, il est trop grand, moi. En fait, j'ai les yeux trop petits. Alors, est-ce que c'est pour ça? Je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, voilà. Vous voyez, voilà, là, c'est posé. Mais le souci, c'est que c'est trop grand pour moi et je ne peux pas le couper. Alors, par contre, la marque, là, il va falloir que vous revoyez ça
avec plusieurs dimensions, quoi. Et honnêtement, ça me gêne. Ça me gêne. C'est dommage parce que c'est hyper joli. Attendez, je vais essayer de remettre celui de l'extérieur, peut-être. C'est très très joli. Attendez. Que j'arrache pas la bande entière. Je veux juste prendre le coin là. Je veux juste attraper à toi. Voilà. Je vais essayer de le mettre un peu plus loin. Ouais. Et là, je l'ai mis au maximum, quoi. Franchement, c'est dommage parce que c'est super beau, quoi, des fossiles. C'est super beau, ça me fait un œil de biche. Quoique celui-là, il est beaucoup mieux mis que l'autre, quand même, hein. Ah, c'est vraiment dommage. En fait, je pense qu'il devrait être plus court. Donc, franchement, c'est dommage parce que là, je trouve que c'est super joli. Voilà. Mais là, par contre, ouais. Il va falloir que je voie avec la marque. Ouais, franchement, c'est dommage. Le cil est trop long, c'est sûr. La bande de cils est trop longue et je ne peux pas bouger les mains. À moins de le mettre plus près, mais non, je peux pas et ça va me crever un œil. Ouais, je suis dégoûtée. Ouais, je suis un petit peu dégoûtée, c'est dommage. Après, je pense, honnêtement, je pense, ça a été une bonne idée de faire ça, mais je pense que, oh, je vais l'enlever parce que franchement, ça me gêne un peu. Je pense que, voilà, il y a de l'entraînement à avoir pour pouvoir arriver à mettre une bande à l'œil. Je pense que ouais, avec un peu d'entraînement, je pense que j'y arriverai. Mais il y a aussi cette voilà, cette longueur qui me va pas du tout et qui est vraiment trop longue pour moi. Ça, c'est très dommage. Après, je pense que peut-être que j'ai pas les yeux comme tout le monde. Peut-être que tout le monde a la même longueur de yeux sauf moi, je sais pas. Mais c'est quoi que j'ai mangé? Oh. Mais voilà. Donc là, on va passer au liner. Voilà. Donc là, maintenant, on va passer aux cils magnétiques avec l'eyeliner. Donc, j'ai juste une paire de faux cils pour mettre juste au-dessus. Et j'ai un eyeliner. Voilà. J'ai un eyeliner. En sachant que l'eyeliner, je sais qu'on peut l'acheter une fois qu'il est terminé. Je pense que c'est un eyeliner avec de l'aimant. J'espère que c'est pas dangereux pour les yeux. Parce que de savoir qu'il y a de l'aimant. Enfin, je sais pas si c'est de l'aimant dans l'eyeliner, ça fait un petit peu peur. Donc, je vais faire un petit tracé d'eyeliner. Bon, je vais pas faire ça magnifiquement bien. Enfin, si, quoi que si, je vais sortir après. Si, si. Et on va essayer. Donc. Il est bien noir et facile à appliquer. Ça. Franchement. C'est une bonne chose. Ouais, il est hyper noir. Et facile à appliquer. Alors, je sais pas du tout s'il faut laisser sécher. Maintenant que j'ai mis l'eyeliner, on va passer à la pose de faux cils. Donc là, il y a plusieurs. Là, par contre, il y a plusieurs aimants. Donc, c'est parti. Attendez, je regarde. Celui-là, il s'est pas mis. Ah non, mais si tu t'accroches à la pince et pas au. Ah oui, mais non, mais là, faut pas s'accrocher à la pince. Il me faudrait un petit truc en bois. Parce qu'en fait, attends, il s'accroche à la pince. Ah, je pense qu'il faut que je mette un peu plus d'eyeliner dans le coin parce que celui du coin, il veut pas s'accrocher. Mais honnêtement, j'ai mis ça en 30 secondes. Ah mais ça me plaît bien par contre. Ah ouais, on va essayer l'autre, mais ça me plaît bien. Oula. Oh mais ça s'accroche bien comme il faut. Ah ouais. Bon, il y a juste le coin là. Ah mais ça c'est génial. Ah ouais, il y a juste les coins. Je pense que je vais rajouter, attendez. Je pense que le trait d'eyeliner, il est trop fin dans le coin. Donc, vous voyez, il faut vraiment mettre assez d'eyeliner. Mais là, dans le coin, je pense qu'il n'y en a pas assez. Du coup, l'aimant ne reconnaît pas l'eyeliner. Attendez, si je prends pas la glace. Je vais juste rajouter un petit peu plus d'eyeliner dans le coin. Je pense que là, ces fossiles-là me plaisent bien, par contre. Ah ouais, ceux-là, ils me plaisent bien. Donc, je réitère.
Hop. Attendez, c'est pas sec. On va laisser sécher parce que ça brille. J'ai peur que ça colle, ça me mette de l'eyeliner partout sur les cils. Donc on va sécher. Pendant ce temps, je vais écouter le message de Tisane. Mais je vous fais pas écouter, hein, c'est top secret quand même. N'exagérons pas un petit peu quand même. Bon, je pense que là c'est sec, on refait. Donc, je commence par le coin interne. Ah non, mais ça par contre, je vous le dis, c'est une révolution. Ah ouais, non, mais là. Là, je vous le dis, c'est une révolution. Ah non, mais là, franchement, je suis contente par contre. Ça me pique un peu là. Parce que je vous dis, moi, j'ai les yeux très courts. Mais regardez. Hop. Hop. Et hop. Attendez, j'ai le coin là qui fait des siennes. Pourtant, j'ai bien mis l'eyeliner. Hein. Là. Même pas. Par contre, il ne veut pas coller celui-là. Qu'est-ce qu'il a? Ah si, ça y est. Ah, il n'est pas collé là. Là. Par contre, là. Oula, il me pique. Il va falloir que je fasse quelque chose. Par contre, là, petite révolution. Alors, est-ce que je mets du mascara ou pas? Je sais pas du tout. Ouais, par contre, il me pique là. Il me pique un petit peu. Il va falloir que je coupe le coin. Ouais, il y a un petit coin qui me pique. Mais en tout cas. Ah oui, il y a un petit coin qui me pique. Ça m'a fait pleurer l'œil. En tout cas, franchement, je suis ouais, agréablement surprise par contre là. Là, par contre, là, je vous le dis, ils ont fait du bon travail. Regardez, je colle ça en 2 secondes. Ah ouais, non, mais là, génial. Là, je suis contente. C'est magnifique. Alors, j'ai même pas besoin de mettre le mascara en fait. Ah ouais, non, mais là, je suis contente. Ouais, franchement, si vous avez l'habitude de mettre de l'eyeliner, parce que si vous n'avez pas l'habitude de mettre de l'eyeliner, à moins que vous vous entraîniez, je vous conseille largement le kit eyeliner et fossile. C'est hyper rapide. Vous avez vu ça, c'est hyper rapide. Par contre, l'autre, je pense qu'il faut un petit peu d'entraînement. Un petit peu. Ouais, un petit peu d'entraînement. Je pense que là, je vais réessayer plusieurs fois. Parce qu'après, ça peut être pratique sans. Parce que là, ça fait quand même beaucoup maquiller, quoi, avec l'eyeliner plus les faux cils. Moi, j'ai pas l'habitude en ce moment. Je m'assagis avec le maquillage. J'ai pas l'habitude de sortir comme ça maquillée. Mais donc, du coup, si vous voulez pas mettre l'eyeliner, il faut essayer de s'entraîner avec cela. Mais comme vous avez vu, c'est pas facile. Voilà, donc je vous ai fait la petite démo de ce que j'ai reçu de la marque Magnétique SL. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça, il me semble que oui. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ben, vous avez déjà testé? Parce que je sais que beaucoup de personnes voulaient l'acheter, mais ils n'étaient pas sûrs par rapport à ce que ça fonctionnait ou pas. Voilà, vous avez eu la démo. Moi, je suis satisfaite de cela. Les autres, un petit peu moins. Déjà, ben, j'ai l'œil trop petit. Après, c'est peut-être par rapport à mon œil. Et peut-être que vous, vous y arriverez mieux parce que vous avez peut-être les yeux plus grands. Mais voilà. Donc voilà, je vous ai fait la petite démo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi. Voilà, c'est tout, hein, parce que je me répète là et la vidéo elle va durer 3 plombes. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!